Marc Lévy, 38 ans, directeur d'un cabinet d'architectes, signe particulier, vit un conte de fées. Un conte de fées qui a commencé en octobre 2000. Marc Lévy, 38 ans, directeur d'un cabinet d'architectes. Signe particulier, vit un conte de fées. Un conte de fées qui a commencé en octobre dernier. J'ai reçu un jour un manuscrit d'un premier roman sur mon bureau. J'ai lu d'une traite. J'ai ri, j'ai pleuré. Et quand j'ai demandé de rencontrer l'auteur, je lui ai dit tout de suite, vous savez, vous avez écrit un roman formidable. Je pense qu'il a un potentiel d'être lu dans le monde entier. Il m'a regardé, il pensait que j'avais pris un cachet, ou voilà, je fumais la moquette. Un agent qui avait tout sauf fumé la moquette. Et si c'était vrai, paraît au tout début du 21e siècle, vendu à plus de 200 000 exemplaires, un best-seller qui allait devenir un blockbuster. Et donc, on tape la main. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Steven Spielberg sur votre répondeur que vous avez gardé précieusement dans votre musée, quoi. Tellement c'était fou d'entendre ce message-là. En fait, c'est encore grâce à Susanna, c'est que l'appel avec Spielberg, il était... En fait, on devait parler avec des gens de la DreamWorks, mais j'avais aucune idée qu'on allait parler avec Steven Spielberg. Et il y a eu un premier appel, donc... Et puis bon, pour des questions d'intendance, on devait se rappeler une heure après. Et Susanna, elle a pressenti, elle s'est dit, c'est quand même pas tout... Donc elle a mis le dictaphone pour juste enregistrer comme un souvenir, quoi. Et bah oui, évidemment, j'ai gardé le moment où Steven Spielberg vous dit que vous avez écrit une histoire qui lui a plu, c'est... Bon, oui, j'ai la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. C'est ce qu'il vous dit, Steven Spielberg. Oui, oui. Il y a de quoi bégayer, quoi. J'ai bégayé. Je bégaye encore, d'ailleurs. C'était un succès extraordinaire, et si c'était vrai. Et pourtant, trois mois après la publication de ce roman, le public est dithyrambique, mais la critique parisienne ne vous épargne pas. Dans le documentaire, on entend les critiques du masque et la plume, mais vous expliquez qu'en fait, ils vous ont rendu service, ces critiques, qui étaient quand même très violents. Hein. C'était du Marc Lévy bashing qui est évoqué. Oui, c'était du bashing. Mais oui, ça vous rend service, parce que finalement, tout ce qui vous ramène à de l'humilité vous rend service. Donc, oui, ça m'a rendu service. Ça, c'était violent, hein, parce que quand vous avez fait l'objet d'un bashing, c'est toujours violent. Mais en même temps, bon, vous voyez, c'est pas la guerre en Ukraine et c'est pas les coupures d'électricité. Bien sûr. Bon, et donc, il faut toujours relativiser les choses. C'était violent pour mon fils aîné, qui avait 9 ans à l'époque, qui comprenait pas. Mais en même temps, ouais, ça m'a rendu énormément service. Ça m'a rendu service parce que... Pour leur prouver qu'ils avaient eu tort, déjà. C'était pas pour leur prouver à eux, parce que, comment vous dire, quand il y a de la méchanceté gratuite, vous n'avez rien à prouver. Je crois que c'était plus pour le prouver à mon fils, le prouver à mes parents, le prouver... Vous voyez, c'était... Parce que je savais aussi que mon père, ça le rendait dingue. Et ma mère, je vous en parle pas... Mais il avait cette sobriété, cette humilité de ne jamais le dire, mais ça lui faisait... C'est injuste. Et donc voilà, je voulais arriver à ce qu'il soit fier. Dans ce doc, vous évoquez un livre qui tient une place à part dans votre bibliographie, Les enfants de la liberté, l'histoire de Claude et de Raymond Lévy, jeunes juifs et résistants qui s'engagent au... Ils ont 19-20 ans, ils s'engagent au printemps 43 dans la résistance FTP Moy, main d'œuvre immigrée sous la direction de Serge Ravanel, très grand résistant. Ils sont arrêtés, ils passent 7 mois à la prison Saint-Michel de Toulouse, et puis ils sont embarqués dans ce qu'on a appelé le train fantôme vers Dachau, qui est le dernier train accompagnant des déportés vers Dachau. Une évasion rocambolesque, ils démontent le plancher du train. Claude Lévy sera, c'est votre oncle, c'est celui qui aura réellement révélé au grand public la rafle du Vel'd'Hiv en 67 dans un livre publié aux mêmes éditions que les vôtres aujourd'hui, Robert Laffont. Et Raymond Lévy, c'était
votre père, mais... vous l'évoquez dans Stock. Ça, c'est la médaille que mon père avait gravée sur une pièce de monnaie pendant qu'il était à la prison Saint-Michel à Toulouse. Oui, il y a toute la naïveté de la jeunesse, parce qu'ils avaient fait ces médailles au modèle des médailles des soldats américains, vous voyez, avec les petits trous au milieu. Il avait écrit « Il reste des Bastilles à prendre ». C'est la photo de police, de la fiche de police de mon père quand il a été arrêté avant d'être torturé. Ce qui est extraordinaire, c'est pas du tout. C'est drôle. Non, ben non, c'est pas du tout mon père. C'est pas lui. C'est un Raymond Lévy qui a été PDG de Renault. PDG de Renault. Et oui, voilà. Oui. Alors, et alors vous savez, c'est l'auteur de Schwarzenegger. Oui. Le jour où le PDG de Renault a été... Non, il ne faut pas le mettre. Mais pour la petite anecdote, le jour où le PDG de Renault a été nommé, ils se sont trompés sur France 2 et ils ont mis la photo de mon père. Ah, bah zut. Et du coup, tous les copains de mon père l'ont appelé en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ?» Donc, c'en est un autre. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette histoire de votre père et de son courage sous l'occupation et de son engagement, vous l'avez appris sur le tard parce qu'il ne voulait pas en parler. Non, il ne voulait pas en parler. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi il ne voulait pas en parler, en fait. Et je crois d'ailleurs que je l'ai vraiment compris en écrivant ce livre. Enfin, quand j'ai eu sa réaction après avoir écrit le livre. La première explication, moi, ce qui m'émeut toujours quand je la raconte, c'est qu'un jour, comme ça, au milieu d'un de ces silences, il m'a dit, tu sais, la vraie victoire, elle a été longtemps après la guerre. Et, non, pardon, j'arrive pas. Hop, on va passer à autre chose. Mais je crois que surtout, non, j'arrive jamais à raconter cette histoire, c'est une histoire qui m'émeut énormément. J'ai dit un jour à mon père, mais pourquoi tu m'as jamais raconté ça? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu voulais que je te raconte? Déjà, tu vois, quand même, tu vois, tu étais dans un des plus grands réseaux de résistance, tu as été un résistant de la première heure. Et il y a eu cette phrase magnifique, il m'a dit plus tard, la seule chose dont je veux que tu te rappelles, c'est que j'étais ton père.